Bonjour, chers téléspectateurs de la TV Monde Web, Alléluia. Soyez les bienvenus dans votre émission spéciale, une émission qui va vous faire découvrir une association de l'Église du christianisme céleste. Oui, l'association de solidarité El Morisha depuis Bagida Devego. C'est dans la capitale du Togo. Les objectifs de l'association de solidarité El Morisha: promouvoir l'éducation sur le territoire national. Tout enfant, tout élève a droit à une éducation digne de ce nom. Raison pour laquelle l'association de solidarité El Morisha, le dimanche 14 août de la courante, a offert des dons, des kits scolaires à ses élèves. Oui, il y a les élèves de l'Église du christianisme céleste, c'est-à-dire les élèves de cette paroisse et les élèves du quartier de Devego. Les bénéficiaires ont remercié l'association et ses membres, les parents d'élèves, les tuteurs d'élèves ont aussi à leur tour remercié l'association de ce geste magnifique qu'ils ont tenu pour que l'avenir de ces enfants soit garanti. D'autre part, nous allons remarquer ici la présence de la majorité des membres de cette association. Encore, cette association, sous autre angle, nous fait savoir que ça ne s'arrête pas, leur activité ne s'arrête pas sur les élèves, mais c'est étendu jusqu'à ce que tous ceux qui n'ont rien à faire, tous ceux qui n'ont rien comme métier dans leur main aussi, gagne quelque chose comme pain quotidien. Miakelo, 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 miak
passion. Le moment que vous avez pu donner de la vie à pour vous changer, les situations sur les éditeurs. Surtout les petites filles. Au grand bébé, nous avons vu des cas qui sont pour moi. Et tout le monde. Parce que nous avons vu des filles. Nous avons vu des familles. Donc, et le frère, nous avons vu des vieux, nous avons vu des filles. Et nous avons vu les rayades, les payades. Nous avons vu des filles. 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 Papa, Eric, on l'a dit papa. Papa, on l'a dit papa. Il y a quelqu'un qui 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 l'a dit papa. Association, oui, et moi, c'est vrai, mais ce soir, on va, nous redire. On va te prendre la veille. Et moi, elle peut dominer le quoi. Mais on y gagne. Et nous, il y a qui nous le voit. Nous, nous, le voit. Parce que les gens qui ont fait ma quoi, et il y a des gens qui ont
le temps pour moyen quoi. Là, je tu vas forcer les gens à venir. Tu sais qu'il faut forcer les gens à venir. Il y a des gens qui ont le dossier. Tu vois, surtout le fêtier quoi. Moi, je dis, toi, tu te prends des vieux là, voilà, tu peux garder tout faire. Je vais me garder un homme avec des les soupes, ça va pas me faire. Je te dis, non, mais 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 André, je suis fidèle membre de l'église du christianisme céleste, paroisse El-Morija. Bien sûr, le tuteur de trois enfants, et je remercie l'association El-Morija pour l'effort qu'ils ont fourni et en fournissant les dons, les kits scolaires à nos enfants. Que le bon Dieu de Papa Oshofa les rehausse et les assiste à tout ce qui est leur activité, tout ce qu'ils entreprennent. Pour que les années à venir ils puissent évoluer, que nos enfants puissent bénéficier de plus de 16 ans. Et pour les activités que l'association s'est Mais on a peur de venir avec un petit, on a peur encore de bébé, on a de se trouver une homme, on a besoin de pas claver une homme, et là on a besoin de joie, on a besoin de soigner, pour ce Seigneur la guette, il veut venir à la terre, on a besoin de pas tata. Et on a besoin de la médecin, on a besoin de quelqu'un qui est là, et tout à ce que c'est à même. On n'a pas encore besoin de l'arrêt dans l'homme, on n'a pas encore besoin de l'arrêt dans l'homme, on n'a pas besoin de la médecin qui est là, il 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 est Je m'appelle Amenglo Yampensio. Je suis en classe de 3e et je fréquente l'école Saint-Jacques-Dasson. Et je tiens à remercier l'association El-Morija et le directeur qui s'appelle Pika. Merci beaucoup. Et j'encourage l'évolution de cette association pour qu'il aille mieux en mieux et partage beaucoup de temps à tous les enfants. Je m'appelle Agolo Maheur et... Vous êtes en quelle classe? Je suis en 5e. Je viens de l'école ADA. Je veux remercier la paroisse El-Morija, son association et toutes les personnes qui nous aident à aller de l'avant. Je sais que tout ce qu'ils font, ce n'est que pour le bien. Et je vous souhaite beaucoup la bonne santé à tous ceux qui nous aident. Et je veux bien que le Seigneur résiste tous leurs vœux. Amen. Merci. Merci. Mena association d'Olo, Akrina Chargelo, Mauneria Olo. Alléluia, devancé. Alléluia. Oui, c'est bien le devancé Eric. C'est l'association El-Morija
En fait, c'est une association qui a vu le jour lors de l'avènement de la pandémie à coronavirus. Et bien, comme le devancier Adodo vient de le dire, c'est un peu ça. L'objectif ultime, c'est de pouvoir aider les uns et les autres. Car le constat s'est fait dans notre église du Christ Saint-Céleste que les jeunes frères et les jeunes sœurs quittent l'église pour d'autres horizons. Hein, parce qu'il n'y a pas de soutien. Et les gens, certains sont des orphelins, ils n'ont pas de moyens. Et il faudrait qu'on les assiste. C'est l'objectif fondamental même de cette association. Et donc, nous voudrions prêter main forte pour que l'association puisse évoluer, aider ces jeunes, pour que ces jeunes puissent trouver la joie, comme cela se devrait, au sein de notre église. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et voilà. Merci beaucoup, papa. Papa, aujourd'hui, vous avez partagé, vous avez fait un don de kits scolaires aux élèves. Quel conseil vous avez à donner aux parents d'élèves et à ces élèves? Oui, nous avions accordé ce don-là. L'association El Mourida est une association d'entraide et de solidarité, ou bien de solidarité et d'entraide. C'est sous cette appellation qu'elle a été déclarée auprès des autorités togolaises. L'association a pour but d'apporter de l'aide aux membres de l'association, aux fidèles de la paroisse et aux habitants du quartier dans lequel elle est implantée. Donc l'association se propose d'aider à l'éducation des enfants, à l'éducation aussi des moins jeunes et d'aider aussi à l'insertion des personnes qui sont à la recherche d'une activité. Ça peut être aussi des femmes qui ont besoin d'être aidées pour exercer une activité. Ça peut être donc des jeunes qui ont terminé leurs études ou bien leur apprentissage et qui ont besoin d'être aidés pour s'orienter dans une activité professionnelle. Ça peut être aussi, l'aide apportée aux veuves ou bien aux veufs aussi. Donc l'association a donc une large palette donc d'aide vers donc les bénéficiaires. Mido apena mia domé amesia me kedo tomi ke pomi le mia be didipe nkpo mo adi mido apena mesia me mido apena Association de solidarité El Mori Jabe Agbonoglo patan akpenami ewa mekeye dodim la siwo odila kpla doa ategugu association association elle devego le bagida ben toame no do bagida monument abe abioze midjatol funbe ele devego no do devego be catholique agboa agbonbe ele ido celeste pa ke le fi yame celeste pa me vele funu blobe ele ekele gbedora pe abe gbedome camp de prière abe gbedome akpenami akpenami adome to me siame. Nous vous remercions ici tous ceux qui nous ont suivis de long et en large. Que la paix et l'amour du Christ soient et demeurent avec nous tous. Que tous ceux qui désirent apprendre quelque chose comme métier s'approchent de cette association. Merci.